crois qu'on est bientôt arrivé. Oui, bientôt, je pense. Ouais, j'espère, parce que là, je suis fatiguée. C'est quoi ça? Je sais pas. T'as vu ses yeux? Elle avait l'air bizarre. Ça commence bien. Très bien cette maison. Bah, sympa ta mamie de cadeau. Ouais. Thank you.
t'as? Je sais pas, c'est bizarre. Je ressens des choses étranges, je me sens pas à l'aise. Puis avec l'histoire de la fille sur la route... Enfin bon... Je pense que je suis fatiguée aussi. Mmh. Écoute, c'est pas grave. On réglera ça demain et puis... Puis voilà, on va se coucher là. Okay. D'accord? Bonjour, jeune homme. Vous en avez mis du temps. Oui, bonjour, désolé. Je vois que je vous réveille. Je vous dérange? Ah non, pas du tout. Non. De toute façon, c'est pas grave. Il est 9h. Je suis venue vous faire remarquer que votre véhicule est mal rangé. Et je vous serai reconnaissante de le garer ailleurs. Ai-je été assez nette et claire? Oui, madame, je ferai. C'est le règlement ici. Si vous ne voulez pas être pénalisé, il vaut mieux le respecter. Très bien, madame. Schnitzler Pauline, votre voisine. Et je me casse. Juste un peu. Je me baignais dans une rivière. J'étais habillée comme votre fille d'hier. Mmh. Tu sais qu'on a eu de la visite ce matin? Une voisine, une folle, a tambouriné comme une malade, quoi, pour simplement me dire qu'il faut bouger la voiture, quoi. Mais ça va, toi? Ouais, ça va. Tu veux préparer le petit-déj? Ça te fera du bien. Hein? Allez. David? Ouais? Tu peux virer la poupée, s'il te plaît? Elle me fait peur. Oui. Dès que c'est prêt, puis ensuite on va faire un tour et j'irai voir les flics pour. Hein? Allez. D'accord. Mmh.
bizarre que ta grand-mère te donne cette maison. Ouais, ça m'étonne aussi. Mais bon, tu sais, elle était un peu spéciale. Ma mère m'avait dit que elle avait jamais accepté la mort de mon grand-père. Puis après, elle voulait voir personne. Quand je dis c'est bizarre, c'est plutôt bien pour nous, je pense. Ouais, je pense aussi. Sonia. 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 Sonia, tu viens? Ça va pas? Tu sais le rêve que je faisais ce matin? Oui, alors? J'étais en train de me baigner là, dans cette rivière. J'étais habillée avec la même robe que la fille d'hier et je jouais avec l'eau. C'est plutôt rigolo que tu arrives de ça, qu'on n'est pas encore venu. Je trouve pas ça super rigolo, moi ça m'inquiète. Depuis qu'on est arrivé, je ressens des choses étranges. Des choses que j'avais pas ressenties depuis bien longtemps. C'est pas grave ça. Bon, je te raccompagne ou pas? Non, c'est bon, pas la peine. Vas-y. T'es sûr? Oui, oui, t'inquiète pas. Très bien. On se dit tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Bon, où est Tardé? Je m'en souviens plus vraiment. Je crois qu'elle est partie vers la droite de la voiture. À droite. Ça, c'est une réponse. À droite. Vers les bois, quoi. Vers les bois? C'est encore mieux. Mais
Est-ce que vous savez qui c'est, ou bien... Sans doute, mais ça ne vous concerne pas. Et si on vous le demande, on dirait que vous ne saviez pas. C'est clair. Puis maintenant, je vous remercie de votre sollicitude. Vous pouvez disposer. Vous pouvez disposer. Ok. Hé, hey, à propos, dans la région, c'est régime discrétion. On se tait. J'entends pas dans le village, vos femmes, vous, vous amusiez à faire des bavardages sur cette affaire. C'est clair? Vous pouvez disposer. Ouais.
Sonia ? Sonia ? Sonia ? Tu viens manger ? Ouais, ouais. Tu fais quoi, là ? Regarde. C'est un jeu que je viens de retrouver. Je l'avais perdu. Tu trouves pas qu'il fait froid, ici ? Non, pas spécialement. Bon, tu viens manger ou pas ? Moi, j'ai pas très envie de manger. Ah non. J'ai froid, j'aimerais bien qu'on me réchauffe. Mmh. Et puis le grenier, ça me donne des idées.
s'en aille. Je ne suis pas forcément bonne pour qu'on s'en aille au bout de deux jours. Attends, je suis en train de te dire que moi, je peux pas rester une journée de plus ici. Hein. Tu vois bien ce qui se passe, quand même. Tout est malsain. La maison, les vieilles et la poupée. On vient juste d'arriver, d'accord? Faut te laisser un petit peu de temps pour t'adapter. Laisse le temps au temps. Putain, mais t'es vraiment trop con, tu le fais exprès! Tu sens d'être un truc déclenche quand même! Alors tu te calmes, s'il te plaît. Hein? Hier, j'ai simplement dit que c'était bizarre. Je n'ai pas dit que la poupée là-haut était animée d'un maléfice comme ça et qu'elle allait te chatouiller les doigts de pied pendant la nuit. Rassis-toi, s'il te plaît. Tu me dégoûtes. Tu me prends pour une folle? Oh, tu me prends pour une folle? Bonjour, je vous présente le docteur Sapirstall, c'est le médecin de notre village. Bon, ça n'est pas bien grave. Mais heureusement qu'on passe dans le coin. Que s'est-il passé? Vous êtes disputé? Oui, enfin, on a eu un petit accrochage. Mais vous devez partir? Oui, oui, c'est justement à ce sujet qu'on s'est disputé. Elle voulait partir et... Ben, je pense que c'est ce qu'on va faire dès qu'elle se réveillera. Ah non, non, non. Avec le malaise qu'elle vient de faire, il lui faut beaucoup de repos. Je vais vous donner une plante. Comme lui donnera une tisane. Mais vous ne consultez pas aujourd'hui? Ben si. Et vous consultez sans votre matériel? Ben je pratique une médecine douce, à l'ancienne. Exactement. Bon. Vous mettez ça dans de l'eau et vous laissez bouillir. Ben merci docteur, je vois combien pour tout ça. C'est pour moi. Par contre, je suis sûr qu'on pourrait faire quelque chose pendant que je suis zère. N'est-ce pas, Pauline? Oui. J'ai une petite réparation à faire dans mon sous-sol.
Ma Sonia, je suis partie aider la vieille à réparer un truc chez elle. Je reviens dans peu de temps. Habille-toi et mange un morceau, car nous partons dès que je rentre. Pense à boire ta tisane. A tout de suite, David. Thank you.
Bon, c'était rien. Juste une petite fuite. Je l'avais dit que c'était pas bien méchant. Je veux vous remercier, vous offrir un petit verre. Vous êtes tellement gentille. Oui, non, mais je suis désolée, madame, mais je dois vraiment rentrer, là. J'ai laissé Sonia toute seule à la maison et on a de la route à faire. J'insiste. Je veux vous offrir une petite liqueur pour vous remercier. Bon, alors, très vite, alors. Oui. Allez, venez. Faites pas attention à mon fils. Il est un peu anormal. Allez, venez. T'as besoin de me bousculer, espèce de raclure ! File dans ta chambre. Venez vous asseoir, je vous en prie. Voilà. Là, très bien. Écoutez, madame, je sais que ça ne se fait pas, mais je dois vraiment y aller, en fait. Il va bientôt faire nuit et... Je ne veux pas laisser ma fiancée plus longtemps à la maison, elle est seule, là, donc... Vous partez, soyez prudent. Oui, mais je vous remercie pour tout, et au revoir. Soyez prudent. Oui, j'y m'en vais pas, merci. C'est pas mauvais. Sonia, t'es là? T'es là-haut? J'ai fait un affreux cauchemar. Je savais que t'étais plus là.
Ne faites pas d'efforts. Reposez-vous. Rendormez-vous. Vous ne me connaissez pas. Ne cherchez pas. Je voulais juste vous dire que vous devez partir. Vous courez un grand danger. Votre femme est perdue. Vous devez quitter le village et ne plus vous retourner. Possession n'en a plus possession. Monsieur, on a enlevé ma femme. Faites quelque chose, je vous en prie, appelez quelqu'un. Oui, il est là. Il arrive. Ah, encore vous, monsieur. Monsieur, croyez quand vous avez dit de ne pas revenir. Attendez, ma femme a été enlevée. Vous avez dit de ne pas revenir avec sa deuxième violent. Mais attendez, écoutez-moi, bon sang. Je commence à m'énerver. Mais écoutez-moi. Allez, Laurent, viens m'aider. Mais tu m'aider. Laurent, viens m'aider. Ma femme a été enlevée. Mais merde. Chez moi. Ah. Chez moi, bouche de merde. Putain. Tarné. J'espère que tu t'en souviendras, t'as compris? Allez, dégage, dégage! Allez, t'en souviendras! Et on vient plus! J'espère qu'il s'en souviendra, ça lui fera du bien celui-là. C'est bon. Depuis qu'on est arrivé, je ressens des choses étranges. Oh, tu te rends pour une folle? C'est bizarre que ta grand-mère t'aime dans cette maison. Je peux pas rester une journée de plus ici. T'es mal, ça. Tu sors de ta vie, t'éclenches quand même. Mais vous devez partir. Mais avec le malaise qu'elle vient de faire, il lui faut beaucoup de repos. Ne cherchez pas. Vous courez un grand danger. Votre femme est perdue. Possession, elle a pris possession. Vas-y.
pas eu mal. Mais non, elle a pas eu mal. Elle a même pas crié. Non, en plus c'était une méchante maman. Elle voulait te faire du mal à toi, elle voulait faire du mal à Sonia, elle voulait faire du Sonia mal... Tu viens de dire Sonia là? Tu sais où elle est? Ouais. Comment? Où est-elle? C'est mon maître. Mon maître qui connaît. Il m'a dit que je vais t'emmener le voir. Mais t'es complètement con. Alors je dois t'emmener chez moi. Oui. Viens, on y va. Viens, on va voir mon maître. Viens. Quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois, Sonia? Tu sais ou pas? Non, j'ai pas vu, hein. Mon maître qui l'a vu. Où est-elle? Oh! Je te cause, là. Tu peux me le dire? Tu réponds oui ou merde? Tu peux me dire où est Sonia, nom de Dieu! Tu vas répondre! Oh! Je te cause! Tu vas répondre, nom de Dieu! Réponds! Arrête un petit peu maintenant! Toi, tu connais, je fais pareil que toi, maman! Et continue tout droit! Merde, merde, merde! Dégueule dehors, dégueule dehors! Vas-y, ouvre la porte. C'est bon, c'est bon.
Grégoire, mon ami, tu nous as bien servi. Mais à présent, il est temps de nous laisser. Tu seras récompensé. Bon, par où commencer? Alors, dites-moi simplement qui vous êtes et où est ma femme. Mon nom est Hermann Weckmann. Je suis professeur agrégé d'histoire ésotérique. Je vous en prie, hein. Pardonnez-moi pour cet accueil glacial, mais je ne pensais pas qu'ils mettraient en place un tel plan pour vous éliminer. Ils doivent avoir peur de vous, David. Peur? Et qui aurait peur de moi? Ben, ceux qui ont enlevé Sonia. David, Sonia est prisonnière de Session. Ils veulent l'utiliser pour incarner le fils du démon d'Adra. Attendez. C'est quoi ces plaisanteries? Vous êtes fou ou... Je ne suis pas fou, David. Mais enfin, mais que vous me croyez ou non, votre femme a disparu, non? Et vous ne savez pas où elle est. Obsession est un mouvement ancien qui, même s'il s'est affaibli avec le temps, est encore très puissant aujourd'hui, très dangereux. Vous savez de quoi je parle, non? David, grâce à des mariages spéciaux et à des expériences secrètes, les gens d'Obsession ont repéré les émanations du démon, les émanations qu'il émet lorsqu'il est endormi. Et grâce à ces mêmes émanations, ils ont repéré l'endroit où il se repose. Mais attendez, je me croirais dans une histoire... une série B, là. David, je ne plaisante pas. Obsession n'est pas une vaste blague, c'est un sujet très sérieux, je vous l'ai dit, ils sont dangereux. Grégoire vous conduira à la maison où se réunissent les membres. Et surtout, David, ne tentez rien, n'intervenez pas tant que vous n'avez pas vu votre femme. Si vous voulez réveiller le démon, très bien qu'il le réveille. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le démon est déjà éveillé, il est déjà en vie. Et son but est de régner à nouveau. Les humains sont vraiment insignifiants, David. Conduisez-moi là-bas. C'est tout ce que je vous demande. David, ne demandez rien d'autre à Grégoire. Il a déjà rempli sa part du contrat. La fin de cette histoire est entre vos mains, David. Moi, je vous aiderais bien, mais je... Par là, un peu plus bas, traverse le champ et c'est bon. Voilà. Bon. Peut-être qu'on se verra un autre jour. Salut.
Servez-lui sa cagoule, afin qu'il voie notre triomphe. Allez l'attacher là-bas. Nous commencerons bientôt. Content que vous soyez venus. Je constate que nos nouveaux disciples ne nous ont pas déçus. Espèce de petite ordure. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Mes bien chers fidèles du démon, ce soir débute l'avènement de notre futur maître. Il a fallu retrouver la cachette du monstre. Et nous l'avons fait. Il a fallu piéger la seule personne capable d'enfanter le démon. Et nous l'avons fait, même si certains y ont laissé leur vie. Enfin, il a fallu trouver la fille. Et nous l'avons. Elle est là. Et nous allons l'offrir à notre bien-aimé maître. Faites entrer la fille. Sonia, tiens-moi! Je vais te faire tirer de là! Comme c'est touchant! Malheureusement, il ne lui reste que quelques instants à vivre libre. Maintenant que l'élu est là, mettons-nous en place pour invoquer Dadra!
n'allez pas dû toucher à ma femme. Elle va mourir de toute façon. Et vous allez servir de nourriture à son enfant. Maintenant, il faut que vous partiez. Mais... Prends ta femme et va-t'en. Thank you.
Thank you.